Et salut tout le monde, c'est Harmonia, nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Origins. Dans cette vidéo, on va tester le mode cauchemar et le mode level scaling. Si vous n'êtes pas au courant, c'est une nouvelle mise à jour qui vient d'arriver il y a pas longtemps, c'est énormissime. Moi, j'attendais ça depuis pas mal de temps. Je vous en ai parlé aussi que c'est un petit peu dommage de tout one shot quand on était niveau 40. Et ben du coup, maintenant, on a du challenge, ça fait ultra plaisir. Donc, dans options, je vous montre. Dans gameplay, voilà, difficulté cauchemar. Donc ça fait que les ennemis sont beaucoup plus résistants, ils vont mettre plus de dégâts, donc c'est costaud, hein, donc c'est très intéressant. Ensuite, il faut activer le niveau auto des ennemis, ce que ça veut dire, c'est-à-dire que les ennemis vont être de votre level, hein, et en cauchemar, je tombe sur des mecs niveau 41, alors qu'avant, je tombais sur des mecs en fonction de là où j'allais, des mecs niveau 20, etc., et je les one-shotais, et du coup, j'avais perdu un petit peu du fun quand je jouais à Assassin's Creed Origins. Et ben maintenant, c'est terminé, le fun est présent, et ça fait extrêmement plaisir. On va attaquer un petit campement qui est juste là, hein, et on va voir ça ensemble. Alors, on regarde un petit peu, regardez, des mecs niveau 41, hein, ça fait plaisir. Hein. Fini les one-shots, fini, parce que du coup, c'est un petit peu dommage que même si vous jouez pas très bien, que le mec vous fait aucun dégât, car vous aviez un niveau bien trop élevé pour lui, hein, tout simplement. Hein. Hier, je me suis fait attaquer par des hyènes, et ben c'était un combat qui était quand même plutôt costaud. Hein. Donc écoutez, ça, on y va. Bon, par contre, il faut quand même se la jouer toujours un petit peu en mode furtif, hein. On n'est plus, là on n'est plus en mode vraiment, c'est très facile, genre on est niveau 40, les mecs on les tue en deux coups. On peut vite mourir si on fait n'importe quoi, et ça c'est très bien. Je vais même mourir dans cette vidéo pour vous montrer un petit peu le challenge à l'action. Donc c'est parti, on va y aller tranquillement comme ça. Ok, donc là, il y a pas mal de gars. Toi, arrête-toi. Et il nous repère rapidement aussi, hein. Est-ce qu'on tue le mec là-bas? Je crois pas trop. Non, j'y crois pas. On va tuer ce gars-là. Moi, je me la joue assassin. Hein. J'aime bien, franchement, tuer les mecs. Les mecs sont même pas au courant. Voilà. Très, très bien. Allez, lui, est-ce qu'on va le tuer aussi? Si on les tue tous en mode comme ça, c'est sûr que même comme ça, vous tuez n'importe qui. Hein. Ce qui est normal, hein. C'est un jeu d'assassinat, après tout. Et ça fait plaisir, quand même, de toujours se la jouer assassin. Moi, j'adore ça, et je... Allez, il y a un gros gars qui dort, là. Bah écoutez, on va les tuer, on va tous les tuer comme ça. Hein. Soit on va aller se promener après. De toute façon, moi, je vous conseille de vous la jouer vraiment comme je fais, là. Hein. Parce que des fois, il y a des campements qui sont vraiment... Il y a beaucoup de monde et tout, donc n'hésitez pas. On récupère tout ce qu'il y a dedans. Ok, du bronze, etc. Tue le capitaine, puis le trésor. Bah du coup, c'était extrêmement facile, hein. Je m'attendais quand même pas à ce qu'on les tue aussi facilement en assassinat. Personne m'a vu, c'était un petit campement. On va aller chercher d'autres trucs. Hein. Vous avez vu qu'ils ont changé les petits icônes aussi. Maintenant, il y a un petit peu doré. Et puis, il y a un petit truc... Avant, c'était un petit truc vert. Et puis, c'était un petit peu plus transparent. C'était un petit peu naze. Maintenant, on voit bien les camps qu'on a fait et les camps qu'on n'a pas fait. Bah, tiens, celui-là, là... Ah, tu es le capitaine, par contre. Ils ont repop, à mon avis. Donc, j'ai pas pillé le trésor. J'ai dû aller vite fait explorer cette zone-là. On va y aller. On va prendre la petite licorne. Petite licorne qui est totalement délirante, hein, je rappelle. Hein. Ça, c'est n'importe quoi, une petite licorne. J'ai vu qu'il y avait aussi un truc FF15, hein, j'attends de... Je vais vous faire en vidéo aussi. FF15 avec un chocobo qu'on peut avoir, puis l'épée et puis le bouclier. Je vais le faire rapidement, ça aussi, ça m'intéresse beaucoup. Puis aussi la tenue d'Anubis que je vais faire aussi en vidéo prochainement aussi. J'attends là, justement. Normalement, donc là, ça va être le dernier. Hein, il faut juste tuer encore un dieu et puis normalement, on est bon. Alors, c'est parti. Donc là maintenant vous pouvez vraiment vous promener partout sur toute la carte du monde Assassin's Creed et tous les ennemis vont être de votre niveau et ça c'est extrêmement intéressant, fini de croiser des mecs niveau 10. Je pense que comme moi quand vous avez monté le niveau c'était un petit peu naze parce que des fois si vous tombez sur une hyène qui avait 3-4 niveaux de plus que vous, elle vous défonçait en un coup parce qu'elles avaient une tête de mort sur la tête et puis bah, c'est un peu dommage quoi. Tu tombes sur une hyène, ah bah merde la hyène elle a 4 niveaux de plus, elle me tue en un coup. Là maintenant au moins c'est intéressant partout, c'est très équilibré, j'adore cette mise à jour là. J'aimerais bien avoir une mise à jour avec des sous-titres pour aussi les mecs qui passent, je comprends pas leur langue. Hein. On sait jamais ce qu'ils vous disent les mecs autour de vous là. Ça j'aimerais bien vraiment, pour l'ambiance, j'aurais bien voulu savoir ce qu'ils disent, ou même en français, j'aurais bien voulu même une traduction française, carrément quoi. Le campement on y est ou pas? Ok ouais il est juste là. Hein. Ok on va envoyer l'aigle comme d'hab. 40, donc là il y a plus de monde hein. Là, il y a de la baston, je pense. Hein.
Tout à l'heure, j'attaquais un petit campement de rien du tout, comme vous avez vu. Ouais, là, ça n'a rien à voir. Là, ils sont vraiment très nombreux. Donc là, c'est super. Donc écoutez, on va se la jouer furtif quand même, un petit peu. Hein. Faut pas. En mode cauchemar, faut pas vous la jouer en mode bourrin. Vous êtes pas en mode facile, quoi. Allez, allez, je le chope. Ok, c'est bon. Oulala, de peu, hein. De peu, un peu plus là. Il m'avait vu et tout. Je m'attendais pas à ce que son pote me voit comme ça. Ok, il y a un pecno là-bas. Lui, là, il est en train de. On va le défoncer, lui. Et dans le buisson. Ok, je sais pas s'il y a un mec ici. Je regarde bien. Ok, allez, vas-y. Coucou. Allez, hop. Y'a personne ici? Attendez, y'a un gars là-bas, je crois. Ouais, y'a un gars ici. On les a pas tous repérés, donc... Enchaînement d'assassinat, allez... Ah non, ça a pas marché. Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, le mode cauchemar se passe très bien, mais dès qu'il va y avoir un petit peu d'action... Je vais faire de l'action, là. Je vais me faire repérer exprès pour vous montrer un petit peu la baston. Allez, hop. Je mets mon bouclier... Mais que toi, tu vas crever! Oh là là, le fumier, ils sont intelligents, hein. Le mec, il monte en hauteur exprès pour m'attaquer, quoi. Il est où, le gars? Faites gaffe, hein, parce que j'avais vu la dernière fois, les mecs, ils hésitent pas à grimper pour vous tirer des flèches et tout, donc les flèches, ça fait très très mal. Hein. Donc là, regardez, ils ont beaucoup plus de vie, hein. Là, on enchaîne quand même pas mal de coups pour les tuer. Et ça, c'est bien. Avant, je mettais quand même pas autant de coups pour tuer un gars. Quoi. Je le tue en 2 secondes. Oula, une hyène. Ok, donc là, lui, c'est un gros gars. Là. Oh là, vous avez vu, il m'a enlevé une barre. Une barre de vie. Il met 3 coups, je meurs. Donc, vous pouvez mourir en 2 secondes. C'est pour ça que je me la joue furtif. Vous pouvez vraiment vous faire tuer vraiment en 2-3 coups. Si vous faites pas attention, ça peut vite dégénérer. Charger l'épée. Hop là. Il y a des mecs qui dorment. Mais bon, là, ça se passe plutôt bien. Hein. Je fais plutôt attention. Par contre, si, comme je l'ai dit, hein, s'il y a une grosse alarme qui s'active et que... Et que le feu est allumé, qu'il y a plein de mecs qui arrivent et tout. Oula. Ah bah lui, c'est, je sais pas ce qui s'est passé, il s'est incinéré tout seul. Hein. Parce que c'est pas moi qui... Ah merde, je suis en feu aussi. Quoi? Aïe. Ok, lui il a une épée. On va changer d'arme. Lui il va morfler lui. Hop là. Alors là, croyez-moi, là il a dû morfler lui. Hein. On va aller finir. Bah tiens, on va prendre le trésor qui est juste là. Récupérer, impeccable, impeccable. Mais écoutez, il nous reste un petit trésor à prendre. Je sais même pas où il est. On va regarder un petit peu tranquillement. Vous avez vu, hein, tout est niveau 40. Hein, même les petits oiseaux, trucs comme ça. Hein. Ah, le trésor est là. Impeccable. On va finir ça tranquillement. Et du graphite. Impeccable. On va finir le mec qui est juste là-bas. Et je pense que vous avez tout vu dans cette vidéo. Hein. Vous avez vu que c'est très équilibré en cauchemar. Hein. C'est pas trop dur non plus. Si vous faites attention, c'est pas trop dur. Mais c'est très très bien. Au contraire, c'est très très bien. C'est pas trop dur comme ça. Parce que du coup, si c'est trop dur, des fois, c'est pas amusant. Et du coup, vous avez pas envie de jouer en mode cauchemar. Car si c'est pas amusant, ben, ça saoule. Allez, hop là. Du coup, là, c'est équilibré. Les combats, ben, vous mourrez rapidement. Les ennemis meurent aussi quand même rapidement aussi. Donc c'est très intéressant quoi. Est-ce qu'il peut grimper? Allez, tu arrives? Ok.
Je vais le tuer tranquillement là. Depuis les airs. Ah merde, attendez. Je vais essayer de faire le tir. J'ai jamais trop essayé de faire le tir. Quand vous sautez, vous faites un tir. Ouais, ça marche pas trop bien. Donc ça fait mal, hein, ça tire plein de flèches. Je me demande si quand on fait un tir, on va tester ici dans cette vidéo, si on fait un tir quand on saute, est-ce qu'on prend des dégâts de chute? Parce que du coup, si c'est le cas, c'est ultra risqué, quoi. Je vais essayer, là. Donc là, je vise, voilà, tranquille. Est-ce que je prends des dégâts de chute quand j'atterris? Ah ouais, je prends des dégâts de chute, ouais. Ouais, donc, du coup, ça m'intéresse pas trop. Genre, t'arrives, tu sautes d'une montagne, tu fais un tir en pleine tête à dégâts, ok, c'est cool, c'est beau et tout, mais si tu perds la moitié de ta vie, pour commencer un combat, c'est pas incroyable, quoi. Y'a quoi là-bas? Regardez, y'a un niveau 41, etc. Hein, tous les gars sont les animaux, etc. C'est très intéressant. Cette mise à jour, franchement, m'a redonné envie de relancer le jeu instantanément. J'attendais, hein, j'en ai parlé plusieurs fois dans les streams et dans les vidéos que j'ai faites, que j'attendais vraiment le level scaling avec impatience. Ok, je vais me faire attaquer là. Faut attendre qu'il vienne là, je pense. Mais je sais pas s'il va venir jusque là. Hein. Non, il se casse. En tout cas, il a raison. Hein. Le truc, il se fait bombarder de flèches. Bon, bah écoutez, je vous ai tout montré dans cette vidéo. Je suis content. Vous avez vu le level scaling qui est extrêmement intéressant. Je pense que si vous avez un petit peu laissé le jeu de côté ces temps-ci, vous allez pouvoir y retourner vraiment avec envie. Puis du coup, avec du challenge. Hein. C'est ça qui fait plaisir, surtout quand on joue au jeu. Ah, bah attends, il y a un gars qu'on va tuer là ici. Hein, mec. Hop là! Et là, du coup, en cauchemar, ils sont au niveau 41 et pas 40. C'est-à-dire qu'ils prennent encore moins de dégâts et vous faites encore plus de dégâts. Ça, c'est énorme, ça. Donc, voilà, les amis, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos hein, de Assassin's Creed Origins, bien sûr. N'hésitez pas à me rejoindre, bien sûr, sur les réseaux sociaux qui apparaissent sur votre écran. Hein. Il y a donc mon Facebook et mon Twitter. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, mettez des petits commentaires, donnez-moi votre avis si vous étiez pas au courant de cette mise à jour, est-ce que ça vous donne envie de rejouer Assassin's Creed, et si vous avez testé le mode cauchemar, etc., donnez-moi votre avis aussi, moi ça fait super plaisir de vous faire ces petites vidéos, en tout cas moi je suis conquis par cette mise à jour, elle est vraiment énorme et ça me redonne immédiatement envie de jouer au jeu, il y a plein de quêtes que je n'ai pas faites parce que les trucs étaient bas niveau et je n'avais pas du tout envie de faire des quêtes où je tue tout le monde en un coup d'épée, et là je vais pouvoir faire le jeu vraiment à 100%, c'est une mise à jour que j'attendais vraiment avec impatience. Je vous dis à la prochaine les amis, portez-vous bien, ciao ciao.